الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله رب العالمين في الدنيا توفيق إيمان إبوهات مسلمة mobiliser avec l'imam l'eau la ilaha illallah c'est-à-dire pour la personne qui mérite ibadah excepté Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps en tant que musulman mobiliser et la imam l'eau محمد رسول الله ستجيا محمد صلى الله عليه وسلم لنفس رسول سبحانه لا إله إلا الله محمد رسول الله لغزب المسلمان سو إيمان لكيكون سادين وإسانسيلا Musulmans sont iman concernant Allah et musulmans sont iman concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'État nous rentre dans un détail, nous regagnons iman concernant le Farishta, iman concernant Allah Subhanahu iman concernant tout le Nabi al-Kiram et le Rasoul qui Allah l'a envoyé iman concernant l'akhirat c'est-à-dire nous avons un iman qui fait l'existence le salaté à l'âge pour une fin c'est-à-dire la vie de la terre n'est pas une affaire éternelle nous avons un iman concernant le taqdir Et ensuite, nous gagnons l'iman concernant la réalité qui un jour nous est là pour rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la résurrection. Allah pour relève nous, pour prendre compte avec nous. Ça, cette point-là, nous dit à les considérer, cette point essentiel de l'iman et du musulman. D'Aqidah et musulman. Quand nous avons un iman concernant Allah, Rabbul Alamin, dans un hadith de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, il s'est un terme Asma'ul Husna. الأسماء الحسنى c'est-à-dire un plus joli nom qui est là en réalité il faut Allah subhanahu wa ta'ala alors dans le hadith là Nabi Karim il cause 99 noms il est là dans le ulama de dire il n'en faut pas les autres noms mais dans le hadith là Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il cause le 99 nom Allah subhanahu wa ta'ala et ça va nom là Et il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a un hadith qui dit, c'est
celui qui récite Saman non là, Allah sur 99 non, après elle a dit un dora avec Allah, Allah pas baisé ce dora, pas balkan basma ou la kousna. Parmi ça, 99 non là, nous n'ayons une certaine manon, l'origine manon là, il y a une seule, trois lettres. Principe arabe, nous dit Rain, Fa et Kra. Nous faut même verbe avec ça, nous dit Ra, Fa, Ra, pardonner. Ra, Fa, Ra, pardonner. Celui qui pardonne, nous dit Ra, Fa, Ra. Il s'agit de sa terme là, Ra, Fa, Ra, Tamb. Allah dit celui qui pardonne, Banguna. Nous mettons une certaine intensité là-dedans. Nous disons divine refour avec un sens intense, nous disons refour. Et l'autre sens intense, nous disons refour. Allah lui refour, Allah lui refour, Allah lui refour. Et sa action de demande pardon là, ou bien nous dire verbe là, nous dire ghafara. Dans ce même mot ghafara, nous gagnerons maghfour. Alors Allah lui pardonne, nous dire Allah lui ghafir, Allah lui ghafour, Allah lui ghafar. Et sa banda qui Allah lui pardonne là, nous dire lui maghfour. Et souvent nous servons ce terme-là dans l'Urdu, marhoum ou maghfour. Celui qui Allah, il fait raham l'oli. Celui qui Allah, il pardonne lui, maghfour. Ensuite, ce terme-là, avec ce différent dérivé, il paraît dans le Coran. Allah lui seul, celui qui pardonne. Et quand nous demande que Allah pardonne nous, alors nous servir et à grâce au impératif, nous dire par exemple, Rabbana ghafir lana, c'est-à-dire irfir. Rafara, yaghfiru, irfir. Rabbana ghafir lana, ô Allah pardonne nous. Nous disons, wa ghafir lana, ô Allah, pardonne-nous. Et quand nous causons en termes un sens demandé, où il y a demande ou pardon, alors là, nous servir un autre verbe, nous servir le mot istaghfara. Istaghfara, yastaghfiru. C'est la personne qui lui demande pardon. Et ce verbe nous dit istighfar. Alors le mot istighfar veut dire demande pardon avec Allah. Le mot istighfar veut dire demande pardon avec Allah. Ce terme-là, dans le Coran, il me servit et il me servit dans mon hadith. Alors, Sharia, le Coran et Hadith, il recommande un sang demande pardon avec Allah. Alors, quand on dit demande pardon avec Allah, ce qui veut dire que nous demandons pardon pour nous ban guna, pour nous ban mama, pour nous ban peu. Ça, c'est un terme qui nous servit pour Allah. استغفر يستغفر الله في الغفر الغفار إلى لتيم نسيبي عن عرب avec signification dans nos langages créoles pardonner même غفر pardonner ça n'a là aussi نسيبي pardonner parce qu'en créole parfois arriver nous pas gagner un mot pour capable exprimer l'expression là ça n'a là c'est un terme qui nous servit pour Allah
et en même temps nous capables de servir pour Dieu aussi. Alors, par exemple, quand on lit Wa'fu anna, ça n'a pas servi à Rafa Yarfu. Rafa Yarfu. Sanala, c'est un terme dans sa ayat-là, il ne servit pour Allah. Wa'fu anna, wa'fir lana, wa'rhamna. Quelle est la bonne ulama, il fait une certaine explication, juste pour capable réconcilier. Un couple dit wa'fu anna, le couple dit wa'fir lana. Alors, certains ulama, chacun est venu d'une seule opinion, elle l'a dit. Une faute que nous n'arrivons à faire sans aucune intention, alors ça n'a pas c'est wa'fu anna. Et une faute que nous n'arrivons à commettre intentionnellement, ça n'a pas c'est wa'fir lana. Alors wa'fu anna, ça n'a pas c'est servir pour Allah, et en même temps c'est servir pour un autre apport d'Allah. À cause du Coran, il servit ça pour le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Alors là, il servit ça pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le mot, afa ya'fu, dans nos langages pour faire comprendre, nous dire une petite chose, nous laisse aller, nous laisse tomber. Nous laisse aller, nous laisse tomber. Ça n'a pas c'est wa'fu. Sharia. Il recommande aux musulmans, surtout aux musulmans, demande pardon avec Allah pour nos bonnes fautes, pour nos bonnes manquements, pour nos bonnes gounas. Nous le faisons intentionnellement, ou bien nous n'arrivons pas à faire par oubli, nous ne faisons pas un malentendu, n'importe quelle qualité, faute, gounas que nous faisons. L'islam dit elle demande pardon avec Allah. Et ça, il a une grande grande facile. Ça, il a une grande grande facile. Alors, le gars, il y a un hadith. Sahih Muslim, par exemple. Le temps ouvert à Sahih Muslim, hadith numéro 591. Sahih Muslim, hadith numéro 591. Alors, il y a un sahabi. Bébé raconte, nous n'avions qu'à lire ce principe. Il dit, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'avions qu'à lire sallallahu alayhi wa sallam, alors là, il servit un terme, nous dit, nous avons tendance, comment dire, croire, et moi qui connais l'arabe, toi qui te connais l'arabe. Alors, quel terme qui nous servit? Il nous servit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف إن سبيك كان على سبيل إذا انصرف بمين النبي الكريم جينا سادة سول أبيتي لمن لا كان النبي الكريم إن كان ين قالي دام نو النبي الكريم جينا سادة سول أبيتي ألو بيجي كان النبي الكريم تبي تأمين سول نماز من الصلاة دي كان النبي الكريم تبي تأمين صلاة ما أنزل تبي فيها المو كم يوم دي بيكون أصلا دي بابي لذي استغفر ثلاثا النبي الكريم تبي فيها استغفار وقوة صحيح مسلم حديث نمو 541 النبي الكريم تنا لابيتي كان يشيني تأمين صلاة ما دين لك فاسو. Quand le Nabi Karim finit par salam de côté, le Nabi Karim dit faire istighfar trois fois. Wa qali, et après là, le Nabi Karim dit dire Allahumma anta salam. Doa qui nous avons fait après le mariage. Allahumma anta salam. Oh Allah, c'est toi qui as salam. Ici le mot as salam pour Allah veut dire Allah, c'est lui qui n'a aucun défaut, qui n'a aucun manquement. Allah lié dans toute perfection. Allahumma anta salam. Wa minka salam. La paix ou bien la perfection vient de toi. C'est-à-dire, c'est toi qui donne la paix. Tabarakta ya dhal jalal wa l'ikram. Oh Allah, celui qui est dans toute gloire. Oh Allah, te bénis. Alors,
Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam sungai si kana mas dia bini biji pepe istighfar dua fois elena biji pepe sa doa ta hadis lagi bayan ka kuncinya qala al wali an tariban rawi lana biji ya fa qul qulil auza'i imam auza'i ga imam dasulepo ga imam dasulepo al wali demandi jadi kaifa istighfar istighfarlah, comment vous faire dire? Alors, Al-Auza'i répond, Yakul, il dit, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ce qui veut dire, sa principe, Ahl-Sunna wal-Jama'a, dans le namaz, diabini, le dit, Astaghfirullah, 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 Rabbi, min kulli lambi wa atubu ilayhi, li parit da hadith, bidat na'i habaya, bidat nai a ede trai muslim medical ba trai muslim de ki ben ya nou ban ulama kan nan sai nou sa do nan sai nou se ki korek pou ne pa pou les tou apete et notre numéro là sai muslim parce ki ban la ya ou nou kwa sai bukhari sai muslim pou ben nou sai muslim namaz ki amini nabi karim ti ben istighfar et nabi karim ti ben istighfar trois fois et ensuite Nabi Karim qui fait sa doa là Allahumma anta salam wa minka salam et dans les autres versions dans les autres rivayat nous gagne hadith là continue avec différents wordings nous gagne les autres hadith que Nabi Karim fait dans les autres doa l'importance et namaz farz terminé nous profite ça l'occasion là nous faire doa lu dia kuat si mama itu pun dia kena sambil. Mua mau pakai feri al jamaah. Dia okey, mua ambil feri al jamaah. Mais à plus je fais ni. Mais très souvent, quand la mala terminé, comme dia nous paye la sa tawfiq, ou assis dans si mama pour faire doa, nous l'aimer, nous aller. Imam Solade, encore pas ici, nous y a l'hypé finir en ta sabbat. Quand on fait ni comme ça, et dans l'affaire qui nous appelle ça unintended consequence sans qu'il vous montre à un enfant une fille faire maison à cet enfant là avec là n'a pas terminé à cela victoire parce que une fille faire lui une fille faire lui sans qu'il vous vienne l'enfant là faire lui comme ça une fille montrer l'enfant là et finalement elle vous retrouver la plupart dans le masque comment n'a pas pas la terminé à cela victoire. Bon, il y a au point où il fait lire en jamaat. Ok. Au choix. Mais au moins où tu fais lire, même pour tout seul. Parce qu'il n'y a pas même temps où la tête. Pas même temps où la tête, vous connaissez un arabe ou un bécasse. Ou indépendant ou pas bizarre, Allah se marchera. Pas même temps où la tête ça. Pas même temps où la tête ça. Quand Allah vous sanctionne, il vous sanctionne bien même. Mais si dans nos l'avantage, nous avons la terminé, nous faisons une part d'abord pour nous maintenant. Ensuite, nous faisons doa avec Allah. Simplement, quand nous faisons avec Jamaat, nous disons dire les permissibles faire. Nous avons dit obligatoire de faire avec Jamaat. Nous disons les permissibles faire avec Jamaat, qui cherchent, et nous avons l'avantage aussi là-dedans. Et quand nous faisons doa là, nous nous alors, Allah voulait de moi, il donne moi, Allah pas voulait de moi, il pas de moi. Mais quand nous nous faisons avec un jamaat, dans un jamaat, capable d'arriver à un seul djoun, il dit Amin, et ce djoun là, sur Amin, Allah il fait Koboul. La cause à un djoun là, sur Amin, nous tous nous donnons Koboul. Alors nous avons la chance, nous avons la chance, parce qu'il a bien qu'à dire, Al-Da'i, Wal-Mu'ammin, chacun de chez Doha, celui qui fait Doha et celui qui dit Amin, tous les deux participent dans Doha. C'est-à-dire, tout le monde imam, il s'est dit, tout le monde dit Amin, nous n'avons pas connu qui s'en va sur Amin, Allah fait Koboul, et nous tous nous Doha. Koboul devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est Sahih Muslim. Si nous continuons, nous gagnons Sunan Abi Daoud. Un livre hadith. Sunan Abi Daoud,
Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam so kaisi ai sahabi dia in kunna lanaruddu li rasulillahi fil majlis al wahid da in sel session in sel majlis sahabi la dia kemudian mengkomite sans foi Nabi Karim dia kiri dia Nabi Karim dia rabbi ghafirli wa tub alayya. Oh Allah, pardonne-moi et fais qubul mu taubah innaka antat tawwabur rahim. Domaine qui fait qubul taubah et domaine qui est la raham. Nabi Karim en réalité il fait ça pour enseigner ce ummah qui quantité que tu lui as demandé dua maghfirat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous gagnons l'autre hadith de Sunan Abi Daoud, hadith numéro 15-17. Nabi Karim il enseigne. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu me fais dua. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Nabi Karim, c'est lui qui fait ça. Dua là, dua maghfira de sa façon là. Ghufira lahu. Tout ce man guna pardonné. Wa in kana farra min al-zahm. Même s'il n'arrivait comme un guna grave. Si tu vois là, il fait sa dua là avec sincérité. Allah pardonne ce man guna. Qui dua? Astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Nabi Karim il montre une sainte dua, une façon pour nous demander dua maghfirat. Et comme ça, il a beaucoup dans le hadith. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il recommande nous faire dua maghfirat. Nous demandons dua maghfirat pour nous. Ensuite, nous avons un ayat Coran et un hadith indique-nous dua maghfirat pour nous-mêmes et nous faire dua maghfirat pour nos frères et sœurs musulmans. Quand on dit dua maghfirat, même un frère musulman, une sœur musulmane qui est encore vivant, nous gagnons droit de faire dua maghfirat pour lui. Pourquoi il a dit qu'on doit dua maghfirat, c'est quand il finit mon lèvre, nous faisons dua maghfirat. Non, quand il vit aussi, nous gagnons droit de faire dua maghfirat. Alors moi, vous gagnez droit de faire dua maghfirat pour moi, vous gagnez droit de faire dua maghfirat pour mon frère, pour ma sœur musulmane. Et comme ça même, pareil comme quand on a une difficulté, pour faire dua à Allah résoudre mon problème. Comme ça même, si je connais du monde, je mange, je m'en tape par les gars, un camarade, je connais du monde, on est droit. Je m'approche avec lui, vous avez la difficulté de faire dua avec Allah pour moi. Mais il y a une personne qui me donne le fatwa et ça va gagner moi. Alors pareil, comme on me demande avec Allah, moi-même, je dis à un camarade, un imam, je dis à un oustad, je dis à lui faire dua avec Allah pour moi. Le dit dans le principe, dans le sahaba, le dit dans le principe, dans le nabi, dans le rasoul. Je m'appelle ça, à le couvrir au Coran, surah Yusuf. Avec Yusuf alayhi salam, son frère, après qu'il tout l'avait guidé, il dehors, il connaît comment tu vas dire de nous frauder, de nous comploter contre le frère, Yusuf alayhi salam. Mais mon frère là qui diffère. Mon frère là, tu viens contre le papa qui s'en va, Yaqub alayhi salam. Qui veut dire lui? Ya Aba Nastaghfir Lana. Oh, nous, papa, fais dua, maghfirat pour nous. Si Dieu a un djihoun fait doa, maghfirat, pas si j'ai un doa, mais Yaqub alayhi salam, lui-même, il s'est capable de dire là, il s'est capable de dire souvent dans ce qui fait de me dire à moi, de demander doa, de ne faire pas de demande de doa, de même, fait de me dire à moi. Non, Yaqub alayhi salam, il a accepté, et Yaqub alayhi salam, il dit à moi là, je vais faire doa pour vous autres. Au contraire, il y a des bons faire doa, je vais pas se finir de dire, il va faire doa là tout de suite. Parce que Yaqub alayhi salam, il voulait dire quand il a mis l'air pour me faire mon ibadat, quand on finit de terminer mon ibadat, l'air là pour me faire dua, ma frère, pour vous. Jusqu'à là, il n'y a aucune objection parmi les musulmans, paix à côté qui est côté penser, il n'y a aucune objection. Objection là, vini, quand un djomon, il finit, il y a une soua pas. Par exemple, Nabi Karim, il finit, il y a une soua pas. Est-ce qu'il est rentré au wafat, Nabi Karim? Est-ce qu'il m'a gagné droit de dire, Ya Rasulallah, fais dua maghfirat pour moi?
C'est là la discussion là maintenant. Pour nous, Ahl Sunna wa Jama'a, nous disons que Sakit Sola est déjà ici. Vous parlez d'autres, nous disons que Sakit Sola n'est pas déjà ici. Alors là, on pose question, pour mettre une comparaison. Quand du monde là, camarade là, ou bien Nabi Karim, ou bien Samadhi là, qui est vivant là, pour qu'il y ait droit à approcher avec lui, il me dit, cher Doran, ma fille est avec Allah pour moi. À ce moment-là, quand Wali là, ou bien Nabi Karim, il gagne son rapport, il ne demande pas qu'il y ait droit. Ce qui veut dire, il y a une petite chose qui peut clocher là-dedans. Sa petite chose là, c'est juste sa différence. Ici là, il dit, le prophète dit encore vivant. Ici là, il veut dire, oh, Rasulallah, il chine qu'il y ait. Ce qui veut dire, un habillement avec toi, pas là, qui veut dire une différence là. Mais si tu n'es que réalisé. Quand on a bien calibre, ici là, nous veut dire un petit vivant, l'eau salade est là. Mais après, Wafat, on a bien calibre, sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous peut dire, on a bien calibre, l'isinda ou bien mourda. Pour faire un iman raisonner. Pour on a bien calibre, qui nous peut dire, c'est là, là. On a bien calibre, zinda ou bien mourda. Qui nous dit à ce moment-là, Nabi Karim mort ou bien vivant? Si vous demandez Nabi Karim mouta, mort, mais qui nous fait avec sa centaine de hadith, que Nabi Karim fait dire par Nabi Yullah et Aïyoun. Allah, son Nabi, il y a une sauvafad, mais après sauvafad, il est haï, vivant. Une fois qu'il est vivant, alors où est le mal quand on dit Yahshua, la lave de Rama, qui est le mort? Quand nous tombons d'accord, Nabi Karim vivant dans son qabr. Et c'est ça, il se tient à le sunnah wa jama'a. Là aussi, on dit, mais ce qui nous a qui prévu l'eau là, alors on dit, oui, nous a prévu l'eau là. Qui prévu l'eau là, nous a un hadith qui nous rapporte là, Moussannab ibn Abi Shayba. Moussannab ibn Abi Shayba. Hadith là, mais dis-nous, un sahabi, il dit le qabr du Nabi Karim, il dit à Ya Rasulallah, il s'est le Ummah, il demande l'appli pour ton Ummah. Nabi Karim, tu finis, il y a une soif à faire. Et ça fait arriver l'année 18 de Hijri, 8 années après Wafat, Nabi Karim. Et le sahabi qui fait ça là, lendemain, il vient contre Hadat Omar, radiallahu anhu, il raconte lui ça. Hadat Omar, jamais il gérit ton empêchir contre le qabr du Nabi Karim. Hadith là de Moussanaf ibn Abi Shayba. Hadith là sahih. Hadith là sahih. Hafid ibn Hajar al-Asqalani dit sahih. Et Hafid ibn Kathir dit sahih. Et pas juste Hafid ibn Kathir, même Imam Bukhari, l'information de ce hadith là dans le tarikh al-Kabir. Le tarikh al-Kabir. Alors quand nous voyons le hadith là, pour moi, on va pas besoin d'en lire encore près de moi. Un seul hadith, un sahabi, un béali, et il pouvait tenir une sahabi, vous ne pouvez pas faire. Soit vous avez un sahabi là, il dit mouchri comme moi. Soit vous avez un sahabi là, mouchri comme moi. Et c'est étonnant là. Vous avez un hadith là fait, mais ça. Vous avez un bon hadith là fait, quelque chose qu'il fait, hadith là fait. Demandez-vous là. Quelque chose qu'il fait, hadith là fait. Pour dire voir sur Sanad et dans trois du monde là-dedans. Numéro 1, Abu Muawiya. Numéro 2, Al-Amas. Numéro 3, Abu Salih. Trois rawis là-dedans. Tous les trois rawis paraissent de hadith dans Sahih Bukhari, hadith numéro 477. Si vous dites voir Sanad pas Sahih, mais c'est qui dans Sahih Bukhari là, comment vous savez, et la même sanat là-dedans, et la même chaîne. Abu Muawiya, Al-Amas et Abu Salih. Hadith numéro 477. Avec sa sanat là, dans l'entier Bukhari, il y a un seul hadith là, Sahih. Et dans Sahih Muslim, il y a environ 21 hadiths comme ça, même sanat. Abu Muawiya, Al-Amas et même terre. Abu Muawiya, Anil Amash, An Abi Salih, 21 hadith de Sahih Muslim. Si vous dites moi, ça n'est pas Sahih, mais Sahih Muslim là, comment vous pouvez le Sahih là? Alors, Inch'Allah, ce soir, après demain des chats, dans ma street Phoenix, dans route royale Phoenix, nous avons un programme spécial pour expliquer qui fait que Sunnah wa Jama'a,
gain wajah ya Rasulullah fi syafaat dulu Allah Rabbul Alamin dulu taufik alu sesuap di nama Lisha pada disebut syok bulan saya mesti alu rasa beri dalam rumah pan besi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.